Bonjour à tous. Un lieu unique en France qui accueille des jeunes filles victimes d'inceste. Des bacs à marée installés pour lutter contre la pollution des plastiques sur les plages. Mais aussi la dernière saison d'un berger qui vit entre la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques. C'est dans votre hebdo vidéo. La maison Jean Bru d'Agen est un lieu unique en France qui accueille chaque année 25 jeunes filles de 12 à 21 ans victimes d'inceste. Elle a servi de cadre au tournage du documentaire « Inceste à hurler du silence » d'Hélène Trigueros qui sera diffusé prochainement sur France Télévisions. C'est un établissement qui est géré par l'association Docteur Bru, l'association des Docteurs Bru, qui a été créée en 1996 par le docteur Nicole Bru. Sur Agen. Donc nous sommes le seul établissement en France à n'accueillir que des jeunes filles ayant été victimes d'inceste, puisque nous posons le postulat que l'inceste est une maltraitance sexuelle spécifique qui a des conséquences spécifiques et qu'il est indispensable que les jeunes filles jeunes hommes qui en ont été victimes puissent passer par un SAS, puissent passer par une étape durant laquelle on va travailler avec eux et avec elles à leur reconstruction psychologique et sociale. Alors le documentaire, c'est important, n'est pas un documentaire sur la maison d'accueil Jean Bru. L'établissement a été le décor, a été le théâtre du projet de la documentariste Hélène Trigueros, qui s'est centrée vraiment sur le rapport qui va se créer entre ces jeunes filles victimes et qui sont blessées, qui arrivent blessées en fait. En raison des sévices qu'elles ont subis. Donc une rencontre entre ces jeunes filles et des professionnels qui sont formés de manière spécifique à l'accompagnement de mineurs victimes d'inceste. Donc le documentaire a pour projet de montrer comment cette relation se crée entre des professionnels et des jeunes victimes. Lutter contre la pollution des plastiques sur les plages, c'est l'objectif des bacs à marée installés justement sur les plages de Charente-Maritime. Un réseau s'est formé autour du dispositif mis en place par la société coopérative d'intérêt collectif Théo. Alors, ces bacs à marée sont utiles, et d'autant plus qu'on s'est rendu compte à l'usage que c'était finalement la meilleure formule pour dépolluer les plages. Il y a pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de citoyens qui participent. Il y a de plus en plus de bacs et du coup, il y a de moins en moins de déchets sur les plages. Et quand on se promène sur les plages maintenant, dans les plages où il y a des bacs à marée, quand on arrive, on se rend compte qu'il n'y a pratiquement plus de déchets. Donc on a une qualité environnementale beaucoup plus forte. Les gens sentent qu'ils participent de quelque chose dans lequel ils sont acteurs et ils contribuent à cette dépollution. Des yuccas sur l'île de Ré, certes, la plante n'est pas sur la liste officielle de celles poussant sur l'île et pourtant elle prolifère, notamment dans les dunes. L'Office national des forêts a décidé d'intervenir là où la concentration de yuccas met en péril la biodiversité. Nous sommes intervenus fin octobre pour arracher ces plantes et après le but du jeu c'est de les évacuer de telle manière à ce qu'elles soient retraités, enfin, mis en pourrissement sur le continent. Parce que si on les laisse sur place, on a des chances que ça reparte du fait que les racines ont une facilité à marcoter, c'est-à-dire à refaire partir des plantes depuis la racine. Oui, on travaille sur ce genre de produit. Hein. Donc là, il est à peu près enfoncé de ça dans le sable. Et après, on a des radicelles qui restent. Et c'est depuis ces radicelles qu'on va laisser dans le sol, parce qu'il est hors de question d'aller travailler à plus de 2 mètres de profondeur, hein, on travaille en surface, que risque de réapparaître par la suite les autres plantes qui vont naître de ces radicelles. Donc nous, pendant à peu près 3-4 années, on va passer sur la zone régulièrement. En fait, on élimine le yucca parce qu'il devient envahissant. Et ce qui nous pose surtout problème, c'est qu'il va réduire la diversité des espèces qui sont présentes sur ce site. En devenant envahissant, il fait de l'ombre. Et derrière, on ne retrouve plus le cortège que l'on a habituellement. On a une quarantaine d'espèces qui poussent sur ce milieu. Et donc, on tient à
conserver ce cortège diversifié, notamment parce que ça favorise la résilience du milieu. Donc la résilience, c'est la résistance aux aléas, en l'occurrence ici au vent. La saison de la truffe n'a pas encore démarré, mais déjà les professionnels se préparent à partir à la recherche du diamant noir, avec cette année en toile de fond la question de la quantité, mais aussi de la qualité des truffes en raison de la sécheresse estivale. Alors très étonnamment, malgré les deux périodes de sécheresse qu'on a eues au mois de juillet et au mois d'août, c'est-à-dire deux fois 40 jours sans une goutte d'eau, on se retrouve avec beaucoup de truffes de marque. Alors en espérant que l'eau ne détruisent pas toute cette production et il va falloir qu'il y ait rapidement un peu de froid et que les terrains se ressuient pour pouvoir laisser la place à ces truffes et que ces truffes puissent mûrir dans de bonnes conditions. Quoi. Alors les truffes de marque, ce sont les truffes les premières qui apparaissent et qui dépassent un peu du sol ou qui déforment un peu le sol et qui font ce que l'on appelle aussi une patte d'oie sur le sol puisqu'en grossissant, ils grossissent vers le dessus de la terre, donc elles marquent le sol, donc c'est ce qu'on appelle d'être la truffe de marque. Les truffes qui ne sont pas mûres, même si elles apparaissent, elles ne sont pas mûres. Ce sont des truffes qui seront mûres généralement début décembre. Décembre, janvier, février, ce sont vraiment les trois mois où on peut récolter de la truffe officiellement en Dordogne. Stéphanie Ribéry est berger et il entame sa dernière saison. Il passera la main à son fils l'été prochain. Il a conduit très récemment ses 550 brebis dans une ferme du sud Gironde où elles passeront l'hiver au chaud. Des Pyrénées, on a des prairies sur le village d'Ayas là, et donc je les tiens tant qu'il y a de l'herbe là-bas. Et aujourd'hui, on est revenu à la ferme, là, à la Besco. Voilà. Bon, c'était 6 km, c'est pas grand-chose. Petite tardivement, c'est d'hiver. Je suis basé en Gironde et je monte en estive à Estaing, au-dessus du lac d'Estaing, dans les Hautes-Pyrénées. Ben, j'ai la cabane à 2000 et puis les estives jusqu'à 2005-2006. À partir du 29 mai, d'ici un mois, ouais, dans un mois, les agneaux vont commencer à naître, l'agnelage, et puis après, ben, un mois après, la traite qui recommence et la fabrication du fromage. On produit du fromage de brebis. C'est une race laitière, donc on tire le lait et on traite à la main, manuel, pas encore automatisé, et fabrication. C'est pas du Pyrénées, puisqu'il n'est pas fait dans les Pyrénées, mais oui, c'est du tombe des brebis, voilà, c'est du pur brebis. Bio, on est en bio depuis 1997. Une dizaine de producteurs de fromage, justement de chèvres, mais aussi de brebis, sont installés autour de Langon. Ils fabriquent des fromages au lait cru selon une méthode artisanale. Direction la ferme du Préchic à Préchac pour découvrir ces fromages moulés à la louche. Par des phases de 24 heures, ça a été moulé, donc on est 4 jours vendredi, ça a été moulé mercredi après-midi. Donc jeudi matin, hier matin, je les ai retournés une première fois, je les ai salés une première fois. Donc là aujourd'hui, vendredi matin, deuxième jour, je fais la même opération, je retourne, je sale, donc, et je vais les mettre dans le lavoir encore 24 heures donc, sur une face. Et le surlendemain, je vais les retourner encore sur le store d'égouttage là-bas. Et après, ça sera bon. Je les mettrai sur grille, je peux les vendre frais direct. Ils sont finis. Ah, là, c'est frais, un peu crémeux. Là, on est sur du demi-affiné, là. Hein. Demi-affiné, et là, un peu plus affiné, pas encore sec. Ceux-là, ils seront bien encore une semaine avant qu'ils soient secs. Et ils commencent à. Et donc ça réduit, parce qu'effectivement, plus ça file, plus il perd du poids. La fin de cette hebdo vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à toutes et à tous.